Ah. Oh là là. Donc là, c'est le moment fatidique de la vidéo. En gros, c'est moi qui vais me faire l'arrivée. Qu'est-ce que tu vas faire? On a rien à foutre de ta vidéo, arrête de filmer. Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est un nouveau prank qu'on va faire sur notre sœur. Donc Adem, qu'est-ce qu'on va lui faire aujourd'hui? Alors je vous explique, ma sœur elle a acheté des maquillages il y a une semaine. Elle les a planqués dans sa chambre. Et nous qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre, on va les mettre dans le réfrigérateur, on va les faire glaçonner. Exactement, donc là Adem, notre mission c'est d'intervenir dans sa chambre, s'emparer du maquillage et aller tout simplement le mettre dans le réfrigérateur et le glacer tout simplement, comme ça son maquillage il va être mort. Bien sûr c'est un prank sans être vraiment un prank. Parce qu'à la fin de la vidéo, à la fin du prank, on va lui racheter ses maquillages, sinon ça se fait pas. Donc voilà, on va lui faire une petite commande à la fin, parce que je pense qu'elle va péter un câble. On est d'accord, à toutes les filles qui regardent cette vidéo, je sais que vous savez ce que vous allez ressentir, ce que ma soeur va ressentir quand vous allez ressentir ce qu'elle va le ressentir. Bref, en tout cas, j'en suis sûr que les femmes, vous allez être compréhensibles envers ma soeur si elle pète un câble. Donc là, on est chaud. Ça fait grave plaisir, en tout cas, il fait super beau dehors. On est en train de profiter du soleil avec le confinement. C'est vrai qu'on galère à l'intérieur, du coup, on sort dans le jardin, on profite de la famille. Et aussi, la famille, je voulais simplement vous dire, bah, profitez de votre famille. C'est le moment de profiter d'eux un maximum. Occupez-vous comme vous pouvez. Mangez, c'est important. Exactement. Perfect. Du coup, la famille, là, on va tout simplement attendre qu'elle sorte de sa chambre pour tout simplement rentrer, voir où elle a planqué le maquillage, récupérer le maquillage et le mettre dans le réfrigérateur. Attends, parce que là, en fait, elle est en cours. Elle est en truc audiovisuel là, avec ses profs. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'elle allait au lycée et à la cour encore, du coup là elle fait cours. Télétravail, voilà, c'est ça. Exactement. En tout cas la famille, pour cette vidéo, maximum de pouces bleus bombardés. Allez, on essaye d'atteindre les 25 000 pouces bleus, ce sera incroyable. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont pas encore abonnés. Le Instagram dans la description, allez-y, on est 41 000, ça fait plaisir. Rejoignez en masse, on fait des stories tous les jours, comme ça vous voyez notre quotidien durant le confinement. Et nous sans plus attendre la famille, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage, c'est parti. Perfect. Wesh Adem, qu'est-ce que tu fais là? Faut se remplir le ventre pour faire le prank. Ne jamais faire un prank, le ventre vide, c'est important. Tu manges quoi là? Sandwich de chaussons, catalane, chips, Pepsi. Bah bon appétit à toi Adem hein. Bon du coup la famille, la petite sandwich de la Hesse pour prendre des forces pour le prank. Donc du coup voilà, hein, y a du thon, y a de la salade, de la tomate, c'est super bon avec un bon petit Pepsi. C'est important de se remplir le ventre, Adem il a raison, du coup. C'est délicieux. Et dites-nous dans les commentaires, vous mangez quoi vous pendant le confinement? Franchement nous c'est que des sandwichs ou alors des pâtes. Bon du coup là la famille, on est tout simplement dehors, on profite du jardin. Il est actuellement 16h30, elle finit le télécours, le télétravail. Du coup je disais, elle finit les cours à 17h exactement. Donc dans 30 minutes alors elle finit et le prank pourra commencer. T'as bégayé mais y'a pas de soucis frérot, on est ensemble. Bon là la famille, on va tout simplement attendre du coup qu'elle finisse ses cours. Et on se reprend tout de suite pour commencer le prank et s'emparer du maquillage. A tout de suite. Perfect. Bon la famille, là ma soeur elle est tout simplement sortie de sa chambre. Donc voilà, elle a fini ses cours. Donc là elle est tout simplement dans le jardin, regardez. C'est bon, c'est bon, on la voit, elle est là-bas. Donc voilà, vous pouvez la voir, elle est tout simplement en train de profiter sur le transat, assis là-bas, elle est dans la merde, elle sait pas ce qui va lui arriver. Donc là la famille, regardez, là y a ses anciens maquillages. Donc voilà, on peut voir du rouge à lèvres, des trucs de femme. Quoi. Je vais tout casser, elle va me tuer. Ils sont où ces nouveaux? Les nouveaux maquillages, ils sont là normalement, regardez. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Oh, tes petits nouveaux achats. Et bah, ils vont finir au congélo, ma gueule. Les femmes de cette vidéo, elles vont faire non, fais pas ça. Et bah, vous êtes dans la merde aussi. Regardez et souffrez. Voilà, regardez, là, on a ça. Moi, je m'en bats les reins, je les enlève du papier. Eh, regardez, je déchire les papiers, même. Le petit crayon. Faut pas se faire griller non plus. On continue. Coucou la famille. Mais dépêche. Voilà, regardez. Là, il y a une palette. Là, il y a ça. C'est quoi ces goûts, ces couleurs de merde? Là, il y a ça, un rouge à lèvres. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a un crayon. Là, il y a un fer à paupières. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas les mots des femmes. Hop. Bon, la famille, je vais tout simplement déballer tous les maquillages et on fait le point. Bon, la famille, regardez. Voilà, j'ai tout déballé. Regardez ce que ça donne. Donc, voilà, ici, il y a du fer à paupières, du fer à dents. Après, il y a du rouge à lèvres. Ça, c'est pour se. En fait, ça, c'est pour faire le contour des oreilles. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est du maquillage. Là, regardez, il y a des ustensiles de travail aussi. Ça va lui servir. Regardez ça, les femmes. Je suis sûr que vous connaissez. Ça, c'est des tampons. Ça c'est de la mousse, ça c'est pour le maquillage. Ouais je crois c'est pour faire ça. Ouais voilà. Je suis en train de lui salir, elle va me tuer, mais de toute façon ils vont être congelés. Donc du coup elle pourra pas chialer, elle chialera quoi qu'il arrive. Vous avez capté. Donc là, ici il y a du Finding Molding Chanel Osorbery. Ça c'est le maquillage des femmes. Du coup là la famille on est à tout, on va tout simplement mettre ça dans le bac. Voilà la famille, là j'ai rempli tous les maquillages qu'elle a acheté chez Amazon ou chez Amaprime ou chez Zakati. Voilà la famille, on est dans la salle de bain, regardez le bac, c'est parti. 3, 2, 1. Elle va pas assumer, allez, tiens, tiens, s'ouvre. Et voilà son magnifique maquillage qui tombe à l'eau comme on dit. Dites-vous après là tout ça, ce sera congelé. Voilà le maquillage est terminé, voilà, c'est bien imbibé d'eau. Et là on ferme le bac. Oh. Allez on y va. Vas-y viens. Du coup là Adem il a le maquillage, on va essayer de planquer ça. On va planquer ça dans la maison parce que là elle est dans le jardin. Il faut savoir. La vidéo me l'entend. Cache-toi. Ferme le rideau. Non.
Elle est dans sa chambre, Putain, elle est passée, elle a fait, vous êtes bizarre vous. Elle a failli se faire griller. Ouais, j'arrive. Je coupe la caméra tout de suite. Perfect. Allez, c'est parti, Adem. Là, on arrive dans le réfrigérateur qu'il y a, bah, dans la cabane. Allez, on ouvre, il y a de la place, on a fait de la place avant la vidéo. Oh. Allez, c'est parti, adios, machos, cochos. On vient de l'allumer, du coup, ça va prendre beaucoup de temps, en vrai. On verra bien. Bon, là, on va tout simplement retourner à nos occupations. D'ici 2 ou 3 heures, on verra si tout a congelé. Donc voilà, franchement. On va faire comme si de rien n'était. Exactement, là, il y a trop d'adrénaline en nous, on a failli se faire péter. Et aussi, il faut savoir qu'on a tout simplement laissé le sac tout droit dans sa chambre. Donc voilà, il y a plus de maquillage dedans. Si jamais elle regarde ce qu'il y a à l'intérieur et elle voit qu'il y a plus rien, le prank il tombe à l'eau. Donc on va tout simplement prier pour pas qu'elle regarde dedans. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Bah, heureusement qu'on a fait ça. Perfect. De retour après 4 heures d'attente, la famille. Voilà le gros bloc. Donc voilà, ça s'est bien glacé, sa grand-mère. Vas-y, ouvre-le pour voir. 1, 2, ah! Oh là là! Oh là là! Le bloc de glace! Regardez les maquillages! Oh, c'est stylé de ouf! Regardez à l'intérieur, on peut voir au fond. Voilà, il reste un petit peu d'eau. Franchement, je suis plutôt fier du résultat. Donc voilà, c'est bien glacé, Adem. On a eu de la chance. Et bah, le prank, je pense qu'il est réussi. Mais en réalité, là, il reste sa réaction. Donc voilà, en espérant qu'elle soit épique. Donc là, c'est le moment fatidique de la vidéo. C'est parti, on monte dans la chambre. On verra comment ça va se passer. Donc là, on est dans la chambre de notre soeur. Donc elle est actuellement dans la salle de bain. Franchement, j'arrive pas à respirer. J'ai de l'adrénaline de ouf. Même Adem derrière là. Regardez là, il y a le sac de maquillage. Donc il était censé avoir ce maquillage à l'intérieur, elle a pas capté. Ça fait 3 heures, ça a bien congelé, regardez. On ouvre ça, donc voilà ce que ça donne. On va laisser ça ici, tout simplement. Je prends ça. Ah, ça découpe. Donc voilà, je vais laisser ça ici. Adem, on va placer la caméra et on va tout simplement voir sa réaction. On attend qu'elle sorte de la salle de bain. Et j'ai peur parce que je sais que c'est un truc de ouf ça pour une femme, surtout pour notre sœur. Elle est grave caractéristiquement caractérisée. Du coup, elle va nous frapper, je pense. Elle va nous mettre des coups. Je la connais par cœur, elle va nous insulter. Donc du coup, je vais devoir mettre des bips au montage, vous verrez. Ça va être galère avec elle. Je le sens, je le sais, je la connais par cœur. Bref, mais tu sais qu'elle peut arriver à tout moment là. Elle peut arriver à tout moment. Bref, on place la caméra. Donc Adem, il va se cacher dans le rideau ici avec la caméra, il va me filmer. Donc en gros, c'est moi qui va me faire défoncer. J'ai envie d'être dans ta chambre, qu'est-ce que tu vas faire? Vous jouez à quoi là? Quoi? Vous jouez à quoi là? Vous jouez à quoi là? Arrête de filmer là! Vous jouez à quoi? Tu joues à quoi, frère? Je viens de l'acheter, tu joues à quoi là? Frank, ma gueule, y'a rien! Mais t'es un prank, c'est pas un prank ça, mon frère, c'est pas un prank, putain, tu joues à quoi? Mais t'as pas. Mais c'est pas. Mais toi la ferme, la vérité la ferme, c'est tout, tu viens de souffler. Non, vas-y, ta gueule, la vérité c'est bon, frère, vous jouez à quoi? Non, je vous ai laissé la voiture et tout, là, vous continuez avec ça, sérieux? C'est un prank! Mais c'est toi qui achètes! C'est ton argent! Je te le rachète! Non, j'en ai rien à faire là, regarde le truc que t'as fait! Excuse. Mais c'est pour la vidéo. Mais j'en ai rien à faire de ta vidéo, arrête de filmer, t'as peur, arrête de filmer, arrête de filmer. Mais on a dit on prenait. J'en ai rien à faire, arrête de filmer. On a dit on prenait. Arrête de filmer. Je prends pas bien en prank. Tu fais ce que tu veux mais pas ça. C'est ouais, je le rachète, c'est bon. Non, wesh, putain, mais c'est quoi ça? Non, vous êtes sérieux là en plus, la tonne d'eau que vous avez. Non mais wesh. Ça se décongèle pas. Mais la vidéo, ça marche mieux le maquillage. Mais vas-y, tais-toi, putain, arrête de pousser, casse-toi. Mais je l'avais même pas encore ouvert. Wesh, à ce point là le maquillage, wesh, c'est que du matériel. Et moi j'ai pas vu. Je préfère pas mouiller avec tes frères. Dégage, sortez de là. La mère, sortez de ma tête. Arrête, c'est bon. Ouais, calme-toi. Arrête, c'est bon. Dégage. Arrête-toi, la caméra, ma gueule. Ok, voilà sa réaction. Franchement, je suis choqué. Oh, ma caméra, putain. Attends, regarde si ça marche les zooms, ouais. En réalité, je suis pas si choqué que ça. Je savais elle allait réagir comme ça. Du coup, attendez, on va la faire chier. Les gars, c'est bon, c'est un prank. Dégage. Je te le rachète. Dégage. Allez, je te rachète le... Dégage. Je te rachète le pack. Dégage. Elle me laisse pas parler. Je lui ai dit, je te rachète le pack complet sur Amazon, sur ce que tu veux. C'est Amazon, ça. C'est Amazon, ça. Y'a pas ça sur Amazon, frère. Sors de là. On commande autre chose. Sors de là. Bon, ok, bah les gars, quand je suis calme, on finit le reste. C'est bien le glaçon et tout. Ça y est. Bon la famille, du coup voilà le prank qu'on a fait à notre soeur. Franchement c'est magnifique, bien réalisé. On a bien réussi. Adem, tape là. Franchement serre moi la main. Serre moi la pienso. Bon voilà, elle essaye de les faire sécher au soleil pour que ça fonde, en espérant que ce soit récupérable pour elle. Donc franchement ça fait grave plaisir de la faire souffrir. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense que c'est réussi, epic reaction. Donc là elle est partie faire sa vie dans la maison, on va attendre qu'elle se calme pour essayer de faire la fin de vidéo avec elle. Alors Léa, comment tu te sens? Mais j'ai envie de vous défoncer encore et encore, j'ai le démon là. Elle est déprimée, elle a bien voulu qu'on filme la fin avec elle. Je sais que pour une femme c'est très très poignardant ce qu'on a fait, elle est dégoûtée. Mais on va lui repayer hein. Et puis quoi encore? Genre j'allais laisser ça comme ça, genre non tranquille, vas-y m'énerve pas. Allez allume le PC, on te fait une petite commande. Vas-y dégage.
maquillage. Bon, sur ce, la famille, on arrive simplement à la fin de cette vidéo. Un franchement, maximum de pouces bleus pour le prank. Dites-nous dans l'espace commentaire si vous avez d'autres idées de prank. Soit à notre sœur, soit à notre père, soit à notre mère. Non, je rigole. Mais genre des autres idées de prank, que ce soit entre moi et Adem, que ce soit avec notre grande sœur, notre petite sœur peut-être. Qui sait. Sur ce, la famille, partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. Perfect.